Il faudrait qu'on s'arrête. Il se sent pas bien. Encore ? Tank fuck ! Kybert ! J'ai entendu ! On a encore 20 bandes juste à l'objectif. On peut y arriver avant la nuit. Allez ! On continuera demain. Je n'avais besoin de se reposer. Trouve-nous un endroit où passer la nuit. On en profitera pour griller un peu. Petite nature, ces Jedi. On m'avait dit que c'était des guerriers redoutables. Quelle blague ! Ce n'est pas de sa faute s'il est malade. Ça fait 3 jours qu'on cherche Renégat. Sans ce bantat qui nous traîne, ça fait longtemps qu'on aurait livré des conditions encorissantes. C'est lui le boss, Kybert. Sa cible, sa mission, son argent, ses conditions. On continuera la chasse au lever du jour. Va voir le Jedi. Et dis-lui qu'on va essayer de trouver un terrain adéquat où passer la nuit. Va! Ok. T'es où, Jenna? On commence à s'inquiéter. Là où personne ne pouvait m'accompagner. Ah, mais c'est donc ça, cette petite odeur si particulière et si familière. C'est quoi? Je commence à avoir froid, moi. Bah, viens dans mes bras, je vais te réchauffer. Même pas dans tes rêves, Elis. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, le Jedi? Il devrait venir se joindre à nous. J'ai l'impression qu'il est en pleine méditation. Curieux que ce renégat Jedi ait décidé de vivre tout seul sur une planète hostile et éloignée de tout. Au moins, il n'y a personne pour l'importuner, hein. Oh, d'ailleurs, j'ai une bonne blague pour vous. Où est-ce qu'on trouve les Jedi? Dans leur temple Jedi? Entre mercredi et vendredi. Ultra connu, c'est tout ce que t'as? Oh, toi, tant que tu peux me rabaisser. Non, c'est pas ça, mais t'es nul. Tes blagues, c'est du réchauffé, c'est pas marrant. Arrête tes blagues. C'est vrai, elle a raison, hein. Tu nous avais habitués à mieux. Si tu veux une bonne blague, en voilà une. C'est 4 Gungans dans un air speeder en ville qui s'arrêtent près d'une prostituée. Alors là, le conducteur demande à la dame, c'est combien? Elle lui répond, 50 crédits à l'avant, 70 à l'arrière. Et là, t'as les 2 Gungans de l'arrière qui commencent à rouspéter et qui disent alors, pourquoi c'est plus cher pour nous, ça? Ça va, Kybert? Remets-toi, hein. Je trouve ma blague vraiment marrante. Tu vas te mettre dans un sacré état, hein, avec ta blague. Très bien, très bien. Énorme. Ça, c'est une blague. Oh, tu veux venir dans mes bras pour que je te console?
J'ai pas compris la blague. Qu'est-ce qu'il avait pu faire ce renégat Jedi pour qu'il soit recherché? Attends, depuis quand tu te préoccupes de ça? Oh ben, je suis curieux, c'est tout, hein. Ouais. Le Jedi m'a dit quelques mots. Vas-y, on t'écoute. Ce serait un ancien général Jedi, au commandement d'un corps d'armée de clones. Ses soldats le surnommaient le général invincible, parce qu'il n'aurait, à ce qui paraît, perdu aucune bataille. J'ai entendu parler de lui. Une vraie légende à lui tout seul. Attends, laisse-le finir. Lors de sa dernière bataille, il y aurait eu tellement de pertes, une hécatombe, qu'il aurait fait exécuter tous les prisonniers. Et la bataille, il l'a gagnée? Non seulement il a gagné, mais en apprenant la nouvelle d'une telle tuerie, toute la planète a abdiqué, ne voulant pas subir le même sort. Un acte fort pour éviter plus de pertes. C'est brillant. Une bonne boucherie, comme je les aime. Lorsque le Sénat a appris cela, il s'est fait immédiatement radier du commandement de l'armée. Et pour enfoncer le clou, le Haut Conseil Jedi l'a exclu de l'ordre. Ah d'accord, c'est donc pour ça qu'ils veulent qu'on le ramène vivant. Ils veulent le juger pour ses crimes. Pas exactement. Après son éviction, il aurait sympathisé avec l'ennemi, avant de venir s'exiler sur cette planète. Psst, traître. Ça s'est pas bien passé avec ses nouveaux amis? Je t'ai dit tout ce que je sais. Plutôt mourir que de trahir. Elise, le Jedi doit avoir faim. Donne-lui cette assiette, veux-tu? Ouais, je m'en occupe. Et dis-lui que s'il veut, il peut se joindre à nous. Je transmettrai le message. Je suis sûr qu'il doit avoir plein d'histoires à nous raconter. Tenez, je vous mets une assiette devant vous. Et si je... Mais... Là, on est mal. Non! Malus, non!
Qu'est-ce que je suis? Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Qui êtes-vous? Général Léoni. C'est donc vous qui m'avez trouvé. J'étais parti chasser quand je suis tombé sur les traces de sang que vous avez laissées derrière vous. Je les ai suivis et c'est comme ça que je vous ai trouvé. Loué soit la force. Où est-ce que vous alliez d'ailleurs, laissé comme ça? Je sais pas. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Rassamel. Quel est cet endroit? C'est chez moi. Une grotte dans les montagnes. Oui, je sais. C'est très rudimentaire. Ça manque pas mal de déco. Mais bon, que voulez-vous? Il n'y a pas beaucoup de magasins pour se meubler par ici. Mais on y est bien. Surtout l'été, quand il fait 50 dehors. C'est sûr. J'espère que vous avez faim. J'ai préparé le léporidé local que j'ai attrapé ce matin. Merci pour votre hospitalité. Ah bah c'est normal, quand quelqu'un vient me voir. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne reçois pas beaucoup de visites par ici. C'est une planète bien tranquille. J'ai remonté votre race tout à l'heure. J'ai vu vos amis. Que s'est-il passé? Ils se sont mutinés. Je n'ai pas eu d'autre choix. Ils ont dû juger que vous n'étiez pas un très bon compagnon de route. Puis-je vous demander ce que vous faites ici? J'ai pour mission de vous ramener sur Coruscant et de vous présenter devant le conseil. Je vois. On mettra ça une autre fois. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'auriez pas à faire d'efforts. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous devez vous reposer. Je dois partir. J'ai eu une terrible vision avant qu'ils se mettent à m'attaquer. Quelque chose de grave est en train de se passer sur Coruscant. Vous devez reprendre des forces. Mangez au moins ce que je vous ai préparé. À mon grand regret, je dois refuser votre proposition. Une prochaine fois avec plaisir. Puis-je emprunter votre vaisseau? J'ai bien peur que ce soit impossible. Mon vaisseau n'est plus en état de voler. Mince, je mets des heures à rejoindre le mien. Laissez-moi vous accompagner, vous n'y arriverez jamais tout seul. Merci, général. Donnez-moi juste quelques minutes que je prépare mon sac. Faites vite, général. Je sens que le sort de toute la galaxie est en jeu. Je peux vous poser une question? On va pas rester tout le trajet sans se parler. Je vous écoute. Vous êtes ici depuis combien de temps? Précisément, je n'en sais rien. Mais je dirais 4 mois. On est encore loin de votre vaisseau? On est plus très loin. Environ 2 km. Est-il arrivé au vôtre? J'ai eu un accident. Un accident? Oui. Je fuis un croiseur de la République. Et mon vaisseau a été légèrement endommagé. J'ai voulu atterrir sur cette planète pour réparer, mais j'ai heurté des arbres et je me suis crashé. Le pilotage n'est pas mon point fort. Vous voulez dire que vous êtes bloqué ici depuis 4 mois? C'est ça. C'est pour ça qu'on ne retrouvait plus aucune trace de vous?
La République et le Conseil vous recherchent depuis longtemps. On a repéré le signal de votre balise de détresse il y a quelques jours seulement. Ouais, mon antenne s'était cassée. J'ai dû en fabriquer une autre avec les moyens du bord. Et forcément, elle était de moins bonne portée. La solitude ne vous a pas pesé ? Oh non. La civilisation, l'interaction sociale ? Pas du tout. Vous n'avez pas d'amis à qui vous tenez ? Un Jedi n'a pas d'amis. C'est faux, ça. Êtes-vous encore d'ailleurs ? On dit beaucoup de choses sur vous. À tel point qu'on ne distingue plus le vrai du faux. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'on dit sur moi ? Vous avez finalement rejoint les séparatistes, par exemple ? Baliverne. J'ai rencontré le comte Dooku sur invitation suite à mon éviction. Il disait pouvoir m'aider. J'ai été chaleureusement accueilli par lui quand mes frères Jedi m'ont tourné le dos. Mais notre relation n'a pas duré. Concordance d'idées, mais divergence de projets. Le comte est mort. Il y a longtemps ? C'est récent. Qu'avez-vous exactement vu dans vos visions ? J'ai vu le temple se faire attaquer par les clones de la République. J'ai vu des tas de gens se faire tuer. Je ne sais pas ce qui se passe. Le coup ne m'avait donc pas menti. Quoi ? Il m'avait averti que de tels événements allaient se produire. Que je serais tué si je ne le rejoignais pas. Mais je ne l'ai pas cru sur le moment. Vous étiez au courant des projets des sites depuis tout ce temps ? Et vous n'avez rien dit au Conseil ? On ne peut pas faire confiance à un site. Vous auriez quand même dû les avertir. J'ai été exclu de l'ordre par mes pères. Je n'ai plus rien à voir avec eux. Je ne suis même plus le bienvenu au temple après ce qui s'est passé sur Antalya. On ne peut pas se rendre sur Coruscant. Vous allez quand même venir avec moi. Et je vais vous présenter devant le Conseil comme c'était prévu. Et vous leur raconterez vos histoires. S'il y a encore quelqu'un de vivant au temple ? J'y crois. J'ai de l'espoir. Soyez raisonnable, Samuel. Se rendre là-bas, c'est se jeter dans la gueule du loup. On risque de se faire tuer. Il y a peut-être encore des personnes à sauver. Je suis prêt à prendre le risque. Eh bien, pas moi. N'est-ce pas vous qu'on surnomme le général invincible ? Où est passé votre courage légendaire ? Il est toujours là, mais je sais faire preuve de lucidité. Se rendre sur une planète recouverte d'ennemis sans soutien, c'est du suicide. Nous devons fuir la République. Et rejoindre une planète neutre. Ou même séparatiste. Nous serions plus en sécurité. Un Jedi ne fuit pas face au danger. Je n'ai pas peur. Foutue doctrine. Votre stupidité vous mènera à votre perte. Vous allez monter avec moi dans mon vaisseau et m'accompagner, général. C'est un ordre. Vous êtes fou. Je n'aurais jamais dû vous accompagner jusqu'ici. Où allez-vous ? Je rentre chez moi. Débrouillez-vous, Jedi. Yoni, revenez ici. Méfiez-vous, Samuel. Vous savez tout comme moi où mène la colère. J'aurais mieux fait d'accepter de m'accompagner. Non. Nous avons perdu tous les deux. Quoi ? Oh merde. De toute façon, je n'aurais pas fait long feu.